Eh bien, salut, salut les survivants, c'est le Toucan, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle petite vidéo qui m'a été demandée par l'un des membres de mon clan, ma petite Honolulu, voilà, qui voulait savoir comment faire la ferme en mode économique. Alors, je sais qu'il y a énormément de vidéos qui ont été faites sur la ferme. On va la faire sans arme à feu, je vais vous montrer comment on la clean à 100% et sans arme à feu, avec ouverture de grange, bien entendu. Donc, alors, il y a déjà une petite technique qui court que vous... Beaucoup de gens connaissent, hein, à savoir vous placez votre chopper en travers ici, vous allez déclencher les mobs, ensuite vous passez de l'autre côté de votre chopper et à l'aide d'un panneau, d'une pique en bois ou autre, une arme un peu longue portée, vous pouvez vous occuper de tous les mobs. Alors, perso, je suis pas fan de cette technique, tout simplement parce que bah, du coup, il n'y a plus grand intérêt à y jouer. Là, ce qui est marrant, ce serait plutôt d'aller justement chercher un peu la... chercher un peu la merde auprès des zombies. Donc pour cette ferme, je me suis équipé principalement de machettes, de massassi, de pieds de biche. J'ai quand même gardé un petit Glock au cas où je tombe sur le scénario avec les pilleurs à la AK. Ça fait vraiment mal. Petite tenue tactique et des kits de soins. Donc pour ce qui est des mods, rien de bien fou, très sincèrement. Bah, voilà, bon, il y a la Diablo. Alors... Les mods ne vont pas vous apporter une grosse différence sur le principe. C'est surtout pour vous montrer comment wall trick et comment replacer les zombies une fois que vous leur avez mis un coup. Ce qui vous permettra de revenir mettre des CC. Alors, on est actuellement sur la passerelle. On va déclencher le premier zombie simplement en se relevant. Lui, on n'a pas d'autre solution. Voilà. Ensuite, on va passer à la massassie. Alors, si vous n'avez pas de mod sur votre massassie, sachez que pour le mob qui est ici, il vous faudra un coup de massassi et un coup de machette. Si vous êtes modé, un seul coup suffit. Et ça, c'est parfait. Alors ensuite, on s'équipe de la machette. Moi, j'aime bien lui de venir le chercher. Alors, vous pouvez le wall trick. Pour ma part, je le déclenche. Je remonte par ici. Je passe les petits rochers qui sont juste là. Et je fais demi-tour. Et là, miracle de la technologie. Le géant est retourné à sa place, mais cette fois-ci, il nous tourne le dos. Donc, ça va être ultra pratique pour lui mettre un CC. Alors, on peut se prendre une petite tartine parfois ici. Non, je suis parti un petit peu trop vite. Allez, voilà, la tartine à distance, on a l'habitude. C'est agaçant, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc, pareil, on revient. On refait le petit tour. Hop! Le géant est retourné à sa place, vous le voyez qu'il n'est toujours pas sur le radar. Donc ensuite, les autres scènes de battle, hein, je les passerai en accéléré. Là, on reprend tranquillement notre massassi, vous voyez sur le radar, le géant retourne à sa place, toujours de dos. Hop, un autre petit coup de massassi. Pour le suivant, on va simplement le déclencher. Alors, des fois, on arrive à le wall trick, mais la plupart du temps, voilà, il contourne la porte, c'est un bruti. Rien de bien grave. Allez, on continue. Donc là, voilà, on est tombé sur le scénario des pilleurs. C'est pas le plus... Voilà. Bon, ça va. Ils sont pas équipés d'armes lourdes. Donc, à coup de machette, ça passe. Par contre, j'ai pris un kit de soins un peu trop tôt là. Ça, c'est fait. Alors, on va essayer de tourner. Normalement, là où il y a les pilleurs, vous ne trouverez pas de mobs qui sortent des bottes de paille. Mais bon, méfiez-vous, des fois... Ils font semblant de dormir. Donc voilà, là je passe tranquillement. Alors eux, je m'embête pas. On pourrait les wall trick ici. Mais très sincèrement, voilà, autant y aller. Alors dans un premier temps, c'est exactement ce que je fais quand je dois nettoyer ma ferme. Ici, on va avoir un premier russe repourri. Donc lui, un petit coup de CC. On fait gaffe dans le couloir entre les deux parcelles de terrain qu'il n'y ait pas le gros qui arrive comme c'est le cas actuellement. Donc on redescend un petit peu par là en attendant que le destructeur soit passé. Vous le voyez arriver sur le radar. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Voilà, on se tient simplement à l'écart pour le moment. On va aller s'occuper de lui à la machette également, mais pas besoin d'armes à feu pour lui. Il faut juste un petit peu de doigté et une petite machette. Alors lui CC, et on l'emmène ensuite au portail, ça va être le cas pour la plupart des géants que vous allez déclencher. On se met par là tranquillement. On va essayer de le faire descendre un petit peu plus, parce
que là, il est un petit peu trop. Allez, voilà. Hop là, voilà. Ouf. Ah bon? Ah ouais, lui, il a rien me toucher. D'accord. Allez, dégage. Donc, ça, c'est bon. Alors, ensuite, on peut continuer. Alors, on va tout de suite s'occuper du gros là, enfin du destructeur. Le destructeur, c'est pas compliqué. Vous le déclenchez. Alors, lui, on peut pas trop wall trick. Mais on va simplement lui mettre des coups et lui tourner autour. Alors, je suis un peu gêné par la prise casque de mon téléphone. J'espère. Voilà. Et dès qu'il crache, vous lui mettez deux coups et vous tournez. Et vous attendez qu'il crache, deux coups, vous tournez. Donc là, le reste, je passe en accéléré. Hop, et voilà, tout ça à la machette. Ensuite, on va aller s'occuper. Moi, j'aime bien dégager un maximum de passage. Donc, je vais m'occuper directement des loulous qui sont près de la scie. Donc là, on va s'approcher à la masse à scie. Donc, encore une fois, si vous n'avez pas de mode, un coup de masse à scie et un coup de machette. Là, la masse à scie, vous le voyez, est modée. Donc, un seul coup suffit. On se décache les deux là. En sneaky, on va s'approcher, on va déclencher juste le petit rustre pourri. Ah bon? Tu veux pas? Voilà. Hop. On s'en occupe comme ça, vite fait. Ensuite, on va aller déclencher ce géant masse à scie. Là, ça va être le plus long. Voilà. Ça va être le plus long parce qu'en fait, lui, on va l'emmener tout en bas. Donc, il faut par contre bien veiller à ceux qui ne vous suivent. Sinon vous êtes reparti pour un tour, il va retourner à sa place, mais dans une position qui ne vous permettra pas de remettre un CC. Vous allez le déclencher même en sneaky, il vous détectera et du coup bah, vous serez reparti pour refaire une petite descente. Donc vaut mieux perdre quelques petites secondes là. Voilà, on a attendu que le taureau se barre. On se recamoufle tranquillement. Voilà. Donc en gros, vous l'aurez compris, tous les géants, vous pourrez les descendre auprès du portail. En tout cas, enfin moi je fais les deux champs du bas, je les emmène au portail. Et les deux champs du haut, je vais les emmener près de la maison, vous allez voir. Donc là, on va s'occuper du rustre pourri qui nous barre le chemin. Voilà, on va aller dans la maison directement. Ici aussi, on peut faire des CC grâce à la porte d'entrée de la maison. Donc on se cale là. Voilà. Ça c'est réglé. On déclenche le gros pépère qui est ici. On l'emmène près de son camarade, son défunt camarade. On essaie de le mettre vraiment dans l'encadrement de la porte. Voilà. Là il est bien. Donc on CC, on CC. Peut-être mettre une deuxième machette quand même. Donc lui c'est réglé. Donc là on s'est dégagé déjà une belle petite voie. On va aller chercher les petits qui traînent dans les parages. Alors ici on a encore un géant qu'on peut mettre un CC.
sans déclencher le petit pépère d'en bas. Ah, il m'a vu. Eh mince. Il m'a détecté. Alors là, les petits, on va les emmener en bas. Alors, si vous détectez, je vais vous montrer l'astuce. Vous repassez la passerelle. Et ensuite, vous pourrez revenir lui mettre un CC. Alors, on va attendre. Je sais même pas s'il a suivi le gros là. Parce que des fois, il retourne à leur place, on ne sait pas pourquoi. Non, il est là. Bon, bah, on va simplement, tant pis pour le CC, on va simplement le wall trick, je vais l'accélérer. Voilà, ça c'est réglé. Donc même quand vous avez plusieurs géants, hein, vous voyez, vous pouvez wall trick sans souci. Je vais finir de m'occuper de la passerelle qui est là sur la parcelle, pardon, qui est ici. Normalement, il y a des petits loulous. Ah bah non. Bon, d'accord. Bon, du coup, c'est pas plus mal. On va pouvoir ici faire un petit CC si on se plante pas cette fois-ci. Voilà, maintenant on va attendre que le taureau en bas soit passé, soit parti, pardon. On se met en sneaky. On va déclencher tout ce petit monde. On va d'abord s'approcher au plus près du géant qui est ici. Ah, d'accord, ils m'ont tous détecté. Alors là, j'ai pas compris. On va se débrouiller. Ah, le taureau. Ah, le taureau. Alors, Mazette, là, pas d'autre solution quand vous avez déclenché trop de monde. Passez la passerelle, ou sortez simplement de la map, mais je trouve que le plus simple c'est de passer la passerelle. De remonter, normalement les géants ne suivent pas, sauf que là il y en a un qui a suivi apparemment. On va voir. Dans ce cas là, on pourra toujours sortir de la map, les mobs retourneront à leur place. Ok, on va attendre 2 petites secondes par ici, le temps que tout le monde retourne à sa place. Alors des fois les taureaux n'y retournent pas, hein. Ça c'est... Voilà, vous voyez sur le radar, tout le monde est retourné à sa place, les gros là, enfin les géants. Donc ça c'est pas mal. Alors pour moi on est né à 2 machettes. Alors j'ai pris les pieds de biche, mais je préfère me servir des machettes. Donc du coup lui, on pourrait peut-être même limite le... Ah c'est le taureau. Ah quel con, j'ai cru que c'était un géant. Oh merde. Ah il m'a fait flipper, j'ai sursauté les gars. Bon, moralité, voilà, rebelote. Bon, faites gaffe au taureau parce qu'il met du 70 de dégâts. Mais vous allez voir qu'on peut s'en occuper. Non pas en wall trick. Ah, purée. Bon, eh ben écoute. On va te promener, hein. Non, tu veux pas. Bon, on va sortir de la map, tout simplement. Là, c'est un petit fail. Je m'attendais pas à ce que ça soit le taureau. Je pensais que c'était un géant. Je me suis fait U. Pas être bon. Je me suis fait U. Bon, c'est pas bien grave. On fera un petit. Bon, ça arrive. Hein. Mais j'aime bien justement. Voilà, c'est pour ça justement que j'aime pas mettre l'astuce du chopper parce que il y a plus trop d'intérêt quoi. Là, c'est marrant. Il y a la petite adrénaline, il y a le petit coup de pression. Alors, hop. Non, lui normalement il va me détecter. Ah, c'est un loup. Ah, le loup. On peut peut-être s'en occuper. Le loup. Non. Donc on va essayer de pas déclencher les autres. Donc là malheureusement les loups, pas d'autre solution. Hein. On y va à la bub. Ah mince, j'ai oublié de changer. Et le taureau qui revient, mais c'est pas possible. Ah ça y est reparti. Bon, à la faim, à la soif. Elle me les casse. Dans 2 minutes, elle va avoir envie de pisser.
Allez, on continue. Ah, taureau. Alors, les taureaux, je m'en occuperai à la fin. Parce qu'en gros, il va falloir faire un petit cheminement bien particulier, à savoir, il va me détecter. Voilà. Et les deux me détectent en plus, les salauds. Donc, il va falloir, comme je le disais, mettre des CC, mais dans un ordre bien particulier. Voilà, parfait. Oula, le copain, il est un peu plus proche. Oula! Oh, il m'a tartiné. Et je me suis soigné pour rien. Alors, dans ce cas-là, pas de problème. Voilà. Ah, mais c'est pas vrai! Voilà. Le tout, c'est de ne pas les aligner au même endroit pour éviter que vous preniez des tartines de l'un pour un que vous tabassez l'autre. Au bout d'un moment, ils se synchronisent au niveau des coups. Voilà. Lui, on le retire un petit peu plus près. Voilà. Voilà. Là, c'est réglé. Donc, on a nettoyé la deuxième passe. Ah. La troisième parcelle, pardon. On a le coffre qui est juste ici. D'où ils sortent, eux? D'où vous sortez, là? Bon, alors, normalement, ils sont suivis par des géants. Voilà, on les voit arriver. Enfin, on en voit un arriver, du moins. On va s'écarter un petit peu. On va se prendre un petit coup de heal. Alors, je me mets là parce que je sais que le géant, normalement, ne passera pas. Voilà, il va rester derrière la porte. Ce qui me permet de m'occuper des petits tranquillement. Bon, bah, même technique, hein. Donc ça, c'est nettoyé. Alors, on vérifie quand même une dernière fois dans ces parcelles qu'il n'y ait plus personne. Là, ils sont sortis tout à l'heure, donc ça devrait être bon. Ici, il n'y a plus personne. Il reste le gros géant là. Alors, techniquement, si vous venez juste pour récupérer le coffre, tout ce qui est des géants, vous pouvez les laisser de côté, hein. Très sincèrement. C'est-à-dire que vous allez vous occuper de déclencher tout ce qui est des petits. Vous les emmenez vers le bas pour avoir un peu de distance avec les géants. Vous les butez. Et puis les géants retourneront à leur place. Ensuite, vous n'avez plus qu'à récupérer le coffre, à le positionner. Et une fois qu'il est sur la scie, vous barrez. Vous quittez la zone tout simplement. Non, mais les tartines à 20 km de distance, ça va bien quoi. Allez, sur cette parcelle-là, on va monter tous les géants. Là-haut, on va se planquer derrière la porte, mais de l'autre côté cette fois-ci. Allez Raoul, dépêche-toi un petit peu, je suis en vidéo. Allez, on le rapproche un petit peu, voilà. C'est toujours la même technique, hein. Alors bien sûr, il faut un minimum de doigté pour maîtriser le wall trick, mais c'est un coup à prendre. Une fois que vous l'avez, vous verrez, vous ferez des économies d'armes, de monstres. Là, pour le moment, j'en suis à deux machettes et demie, je crois. Tout juste. Non, j'aimerais bien que tu fasses ça. C'est ça que je voulais faire. Bon, par contre, je me suis un petit peu trop soigné, je trouve. Mais bon. Là, on va simplement déclencher le petit. Sans attirer le gros, voilà. Toujours pour garder, comme je vous l'avais expliqué, le coup critique pour les gros zombies. Là, alors, on va attendre que le taureau soit passé. À moins que je puisse passer par là. Non, je vais pas pouvoir. C'est le taureau qui va m'embêter là. D'accord. Ok, bah viens. Allez, viens. Allez, viens si t'es un homme. Enfin, si t'étais un homme. Puisque maintenant t'es mouru. Allez, là, on continue. On contourne le géant. Fais attention de ne pas le rentrer dans le radar. Et on vient lui mettre un petit CC par ici. Hop. Et on fait gaffe que le taureau ne soit pas là. Oh, allez, juste. C'est passé de justesse. On l'emmène près de ses copains. Toujours dans la maison.
Oh, non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça, voilà. Donc ça, c'est réglé. Donc là, normalement, on a nettoyé tout ce qui est des géants et des pourris rapides. Tout ça, pour le moment, sans arme à feu. Ah non, il reste un géant. Il reste un géant que j'ai oublié. Alors, je vais juste faire le tour des bottes de paille pour être sûr qu'il n'y ait plus personne. Parce que ça, une fois que vous posez le coffre, ben, c'est un peu la surprise. Alors, le dernier géant, moi, je passe par ici. Par la petite ouverture, la petite barrière. Et on vient lui mettre un CC par ici. Bon, la tartine à 20 km, on connaît, hein. Le plus simple, ça sera pour moi de redescendre. Comme ça me permettra ensuite de remonter pour m'occuper des taureaux. Voilà. Donc là, on est plutôt bien. Bon, par contre, on est mal au niveau bouffe, donc je vais me soigner un petit peu. Parce que les taureaux, c'est du 70 de dégâts, mine de rien. Alors, pour les taureaux, parce que normalement, il ne nous reste plus que ça. Alors, les taureaux, en temps normal, vous n'êtes pas obligé de les faire parce qu'ils vous donnent absolument rien. Mais là, on est en pleine saison, donc ça vous donne des points de gui. Donc ça peut être intéressant à récupérer. Ah, purée, elle a pas mis le CC. Elle a pas mis le CC, cette conne. Bon, eh ben, quand c'est comme ça, on fait quoi? Ben, on fait tourner. Il n'y a pas un nom de taureau célèbre. Bref, on fait tourner le taureau. On va simplement repasser la passerelle. Alors, elle a fait le bruit du CC, mais elle n'a pas mis le CC. J'ai pas compris. Bref, on repasse la passerelle. On attend un petit peu que le taureau retourne à sa place tranquillement dans son petit pré. Mais en gros, voilà, il va falloir lui mettre un CC. On ira ensuite mettre un CC aux deux autres et on sortira de la zone pour que chacun retourne à sa place. Vous le faites trois fois avec une masse assassine non modée. Enfin, modée ou non modée d'ailleurs, de toute façon. Alors on s'approche, on essaie de voir. Ah purée, il veut pas. Hein. Alors lui, il veut vraiment pas retourner à sa place aujourd'hui. Hein. On va remonter un petit peu plus haut des fois que. Mais en général, les taureaux sont tenaces. Hein. Mais là, ça a marché. Vous voyez, il est reparti. C'est nickel. Bon, après, vous avez toujours la possibilité hein, de sortir de la zone et ainsi de suite. Mais je trouve que les temps de chargement sont parfois un peu longs. Donc, moi, je préfère faire comme ça. Ça coupe pas le rythme de la zone. Alors là. Hop. Petit coup de massassi. On l'emmène par ici pour pouvoir passer par la barrière ensuite. Alors, vous voyez, il est très, 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 très lent. Alors là, par contre, maintenant, une fois que vous l'avez mis un coup de massassi, retourner de l'autre côté de la passerelle ne changera rien. Il ne vous suivra, enfin, il vous suivra jusqu'au bout. C'est pour ça qu'il faut enchaîner les coups critiques. Voilà, le deuxième. En attendant un petit peu que tout ce beau monde passe par ici pour pas qu'on se fasse troll par le bas. Là, on est bon. Et on va aller s'occuper du troisième taureau. On va attendre qu'il apparaisse. Voilà. Hop. Alors lui, la plupart du temps, il arrive à mettre un coup, cet enfoiré. Ah bah pas là. Donc voilà, on a mis un CC à chacun des trois taureaux. Je sais que maintenant, même si je passe la passerelle, ils ne retourneront pas à leur place. On ne peut pas les wall-trick s'ils contournent le portail, comme les rustres pourris. Donc, la seule solution, c'est de ressortir de la zone. Tout simplement. Donc on fait ça trois fois et vous allez voir que vos taureaux, vous pourrez les buter. Alors je précise que c'est vraiment là, je les bute là maintenant parce qu'on est en saison et que ça rapporte du gui. Sinon vous n'en avez pas besoin, hein. Vous pouvez les laisser tranquilles. Tout simplement. Allez, on remonte. Et on reprend le même cheminement. Donc on fait gaffe que le premier taureau ne nous détecte pas. Normalement, il est au bout du champ. Voilà. On va aller lui mettre un petit CC. Hop, on change d'arme pour courir plus vite. On s'occupe du deuxième. Hop. Et on va aller chercher le troisième. En vrai, les taureaux, c'est ultra simple.
C'est ultra simple de débuter. Ah, il avait bugué lui. Il était resté coincé dans sa botte de paille. J'ai dû le déranger en plein repas, le pauvre. Allez, donc là, vous voyez, tout le monde me suit. Oui! On repart pour la dernière fois. Hop, donc pour le moment, on a utilisé zéro arme à feu. On a fait que des coups de machette et des coups de massassi. Donc en définitive, la ferme est assez rentable si vous utilisez ce mode-là. Elle l'est encore plus si vous utilisez l'astuce du chopper. Si vous ne sentez pas en confiance pour les wall tricks, l'astuce du chopper reste, à mon sens, celle que vous devriez privilégier. Même si pour moi, je trouve que voilà, ça manque un peu d'intérêt, quoi. Je veux dire. Allez, hop, le taureau est retourné là-haut, il va attendre qu'on arrive pour se tourner, voilà. Hop, là c'est le dernier CC, j'allais dire dernier wall trick. Dernier CC pour chacun des trois taureaux. Alors, comme je l'ai dit, Massassi modé ou non, ça sera toujours, quoi qu'il en soit, 3 CC. Donc ça tombe bien, je vais récupérer les chiots pour mon prochain raid. Donc on va s'en occuper. Et voilà. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais bon, c'est un peu facile parce que bon, là, t'as pas ouvert la grange. Non. En effet, j'ai pas ouvert la grange et on va s'en occuper tout de suite. Je vais aller récupérer le coffre. Je vais le poser en haut. Alors moi, j'ai ma petite astuce quand je veux que la grange s'ouvre. Je positionne le coffre près de la scie. Je ressors de la zone pour créer une sauvegarde, donc comme quoi ma ferme est toute nettoyée, voilà. Je ressors de la zone, je reviens, je pose le coffre sur la scie. Si la grange ne s'ouvre pas, ben, je supprime les données, tout simplement, hein, je glitch, jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. Allez, purée que c'est lourd. Donc on va faire le premier essai ensemble. Ensuite, eh ben, je glitcherai et je reprendrai le jeu au moment de l'ouverture de la grange. Tout simplement. Il arrive que bah, elle s'ouvre pas. C'est pour ça que la petite astuce de glitch est pas mal. J'ai remarqué qu'en général, elle s'ouvre un coup sur trois. Alors comme la dernière fois, elle s'est ouverte sans même que je glitch. Je pense que là, j'aurais besoin de glitcher. Donc voilà, je le positionne là. Ça m'évitera de le ramener après. On ressort vite fait de la zone. Vous allez voir que même les géants qui sont dans la grange, on peut s'en occuper en wall trick sans arme à feu. Allez, il avait quoi lui? Il avait pas de... Ah bah il avait petit os. Ah bah il a même ça. On va pouvoir faire des pansements directs. C'est parfait. Ah j'ai raté la porte. Pourtant elle est large. Hein. Donc là je vais juste simplement générer une sauvegarde pour être sûr que mon que le nettoyage de ma ferme a été pris en compte. Et ensuite, eh bien j'irai poser le coffre et je glitcherai. Alors l'autre astuce, si vous voulez pas simplement, encore une fois, simplement ouvrir le coffre de la ferme, vous passez dans chacune des parcelles, vous déclenchez les mobs en repassant la passerelle, voilà le petit pont. Du coup, les gros retourneront à leur place et vous n'avez plus qu'à récupérer le coffre, vous occupez du destructeur, voilà, parce que lui, il va arriver. Ça sera un peu problématique par la suite. Vous vous occupez du destructeur donc. Et ensuite vous posez votre coffre et vous barrez. Ensuite vous revenez dans la zone. Et je sais plus ce que je voulais dire. Voyez, vous revenez dans la zone. Vous allez vous approcher ici de la scie. Il y aura tous les géants que vous n'avez pas tués qui étaient sur la zone. Et vous allez les faire courir jusqu'en bas. Une fois qu'ils vous ont tous rejoint en bas, vous remontez en courant. Et vous vous servez dans le coffre qui sera ouvert. Alors. Est-ce que la grange s'ouvre ou pas? Oh bah du premier coup. Ah bah voilà, ça c'est formidable. Ça c'est formidable. Allez, on va rentrer tout le monde dans la maison. Voilà, on se met ici. Voilà, moi je m'occupe des petits comme ça. Alors là, ils sont pas synchronisés du tout. Ils sont pas synchro du tout. On va essayer de les emmener un peu par là. On a quand même un coup de scie. Hein.
Ah ouais, ils sont vraiment pas synchro. Oh là là. Ils sont pas synchro. Et là, je suis coincé. Oh. Ils veulent pas venir par là par hasard? Si. Oh. Je vais être dans le caca. Je sens que je vais être dans le caca. Je sais pas. Je sais. Voilà, un petit fail. Ça arrive. Bon, je me suis très mal pris. J'aurais pas dû les emmener là, j'aurais dû les emmener en bas. J'ai voulu faire au plus vite, et ben comme quoi, ça ne marche pas forcément à tous les coups. Bon, on va voir si on est revenu à ma base. Si c'est le cas, je ferai une petite ellipse le temps de me rééquiper. Et puis on y retourne. Oh, le fail. Le fail, les gars. Bon, j'ai une excuse, c'est que j'ai la prise casque de mon téléphone qui me gêne vraiment pour la prise en main de mon téléphone. Bon, c'est l'excuse pourrie, mais c'est la seule que j'ai à vous donner. Allez, dis-moi qu'on est encore à la ferme. Ah, bon. Ok, bon, c'est pas bien grave. On va juste s'équiper. Voilà. On va se prendre quand même un minimum de kit de soins. Et on va aller essayer de retourner récupérer notre stuff. Alors normalement, là où je suis mort, les zombies, les géants ne devraient pas me poser de problème. Puisque vous le savez, maintenant, ils vont être près du coffre. Donc normalement, je dois pouvoir récupérer mon stuff. Mais bon, je préfère être sûr, prendre des kits de soins pour pas me fail sur ce coup-là. Mais là, vous voyez, trois tartines sans se soigner. Et bien, c'est rectifié. Allez, un petit fail, ça arrive. Il y avait longtemps que j'étais pas mort à la ferme, n'empêche. Il y avait longtemps. Bon, là, techniquement, j'aurais très bien pu glitch et reprendre la progression juste avant l'ouverture du coffre. Mais étant donné que la grange s'est ouverte du premier coup, hein, on va pas gâcher le plaisir. Mais le souci que j'ai eu, c'est que là, ils ne se sont pas synchronisés au niveau des coups. Donc, du coup, ben, fallait trouver le rythme. Allez, là on est tranquillou. C'est bon, les gens sont pas là. On se rééquipe vite fait. Hop. Non, c'est pas ça. Donc, on avait dit machette, hein. On va essayer de rester sur le stuff de départ. Normalement, voilà. Tout le monde va revenir. Ah bah, il y avait encore un petit. T'as perdu ta maman? Où j'ai oublié d'enlever les chaussures, le truc le plus important, j'ai oublié de l'enlever. Oh, que je suis bien. Allez, on va essayer d'emmener tout le monde en bas. Alors 250, oh, il m'en reste plus que deux en plus. Hein, mais ça, c'est le seum. Ah, oh, je me suis fait buter alors qu'il restait que des géants. Donc là, voilà, on est reparti, on a retrouvé la bonne cadence. Alors là, vous voyez, ils n'ont pas du tout la même cadence, mais ils sont plus espacés. Donc du coup, quand je vais taper le zombie, enfin le géant de droite, celui de gauche ne me touchera pas parce qu'il tapera dans la porte. Oh, pourquoi j'ai pas mis le coup? Allez, toucan, on se réveille. C'est pas le moment de refaire un fail en vidéo. Donc là, on va essayer de le rapprocher de l'encadrement. Voilà. Là, il est bien. Ensuite, il faut juste trouver l'angle qui vous permette de le taper. On va essayer de le décaler encore un peu. Non. Alors, ce qui est un peu agaçant avec les wall tricks, c'est qu'il y a des fois, vous allez trouver un endroit où vous êtes à l'abri, et le coup d'après, vous ne serez plus à l'abri au même coin. C'est très particulier. Et voilà, on a nettoyé toute la ferme sans aucune arme à feu. On va retourner près du coffre pour être sûr qu'il n'y ait plus de géants, avant de parler trop vite.
Donc l'avantage que la grange s'ouvre, bah, c'est que là vous allez trouver. Ah bah si, il en reste un. Il n'y en a plus qu'un. Bon, on va pas aller en bas, lui, il est tout seul. Hein. Il n'a pas de copain. Je vérifie juste en passant par là. Non, il n'y a plus personne. Ah! J'ai failli crever à cause de Discord. Oh punaise. Oh la notification Discord qui tombe mal. Allez viens. Hop là. Pas trop près. On n'a pas gardé les poules ensemble. Mais elle met pas les coups. Et voilà. Cette fois-ci, on est bon, on a nettoyé toute la ferme, absolument toute la ferme, et ça nous a coûté 4 machettes en gros. Une masse à scie, enfin même pas entièrement, mais on va dire une masse à scie. Bon, par contre, je me suis pas mal soigné. 13 kits de soins. Mais bon, faut dire que là, je me suis bien raté. Allez, on va looter ensemble puisqu'on y est. Hein. Hop, le petit chiot qui est toujours dans la grange. Donc vous en aurez toujours un, soit dans la maison, soit dans une des parcelles de la ferme et un dans la grange. Et là, on loot. Bon, en vrai, c'est pas terrible. On va pas se mentir. Bon, il y a des petits modes d'armes. Alors, vous aurez toujours deux armes, une arme de mêlée, une arme à feu, parfois deux armes à feu. Vous aurez des petites capsules comme ceci et de l'essence. Non, l'essence, non, je dis des conneries. C'est le loot plutôt basique et habituel, on va dire. Donc voilà. Le reste, j'en ai pas besoin, donc je vais pas le prendre. Attends, c'est quoi là? Non, celui-là, je l'ai. C'est quoi? Prise en métal. Ouais. Bon, bah voilà. Ah, attends. Faut pas que je parte. Faut que j'aille looter. Parce qu'il y a deux coffres dans la maison. Enfin, trois. Je les ai pas lootés. Bon, après, il y a le loot sur les parcelles. Mais bon. Oh, des fois on peut trouver un peu d'essence, remarque, ça m'intéresserait, on va aller faire un petit tour ensemble. Hop, on fait un échange standard. Hop, les petits pansements, ok. Alors ça tombe bien qu'on m'ait demandé la ferme, parce que ben, les pilleurs viennent de me demander de buter le destructeur et d'ouvrir le coffre. Et puis ma ferme se reboot demain, donc tant qu'à faire. Autant en profiter. Alors, attends, on va faire ça. Hop, on va se faire. Rien ne se perd, les gars. Hop, ça c'est bon. Et il nous restait, je crois, ce coffre-ci. Le troisième là-haut, je crois qu'il n'y a jamais rien. Toujours que de l'alu et des bières. Ici, des fois, on a un peu d'essence. Bon, bah pas sur ce coup-là. Vous voyez, vous aurez même quelques petits minerais de cuivre. Alors je sais, avant de construire un mur, il va vous en falloir. Hein. Mais bon, c'est toujours sympa à ramasser quand vous en avez besoin. Donc voilà, toute la ferme sans aucune arme à feu. Enfin, sans utiliser aucune arme à feu, parce que j'en avais une sur moi, mais je m'en suis pas servi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, eh ben, vous aidera à faire la ferme. Bon, vous voyez, hein, on peut quand même se prendre des tartines et venir récupérer son stuff. Voilà, ça arrive. N'ayez pas peur de vous rater. Hein. De toute façon, c'est en se ratant qu'on apprend. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le jeu Last Day on Earth. Et puis d'ici là, vous le savez, je vous souhaite une très très bonne survie. Salut, salut les survivants!